Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu et on fera un point ce soir sur l'affaire Claude Jean-Pierre avec ses enfants, Fatia Alcabellar et son beau-fils Christophe Sinan. Ce sera à 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 5 septembre 2022 et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. C'est depuis ce week-end d'ailleurs. Un gros épisode pluvieux est en cours en ce moment, notamment sur l'agglomération pointoise qui fait face à des inondations. Idem sur Jarry et Fonsaraille, à notre connaissance. En tout cas, plus globalement, c'est le Nord-Basse-Terre et le sud-ouest de la Grande Terre qui sont touchés. Le trafic routier est très perturbé, notamment sur la Nationale 1, donc soyez prudents sur les routes, mais aussi en montagne et aux abords des cours d'eau. Parlons maintenant du rectorat et plus globalement de la rentrée, puisque on va peut-être devoir se pencher sur les cartes scolaires. Chaque année, les parents d'élèves se plaignent des fermetures de classes dans les établissements, des fermetures qui ont de lourdes conséquences, comme c'est le cas à Terre-de-Bas, où des élèves de collège sont contraints de se rendre à Terre-de-Haut pour étudier. C'est sans compter les problèmes de navettes qui entraînent des absences, des conditions qui n'optimisent pas du tout l'apprentissage des enfants. Et à Bouillante, les parents d'élèves du collège des Fontaines, eux, s'insurgent contre, effectivement, ces sureffectifs. Deux classes de 5e comptent pas moins de 31 élèves. Impossible pour eux d'envisager une année scolaire sereine. Regardez. On fait que parce qu'il y a deux classes surchargées, chaque classe de 5e a 31 élèves, donc on peut pas travailler dans ces conditions. Pour une meilleure réussite scolaire, on ne peut pas avoir des classes qui ont des 31 élèves, deux classes de 5e. Nous, on veut une troisième classe pour que les enfants puissent travailler mieux à l'école. Dès la rentrée, on a remarqué que les classes ont 31 élèves, et ce n'est pas possible. Et surtout, on est en REP. En REP, qu'on est en REP, il faut maximum 28 élèves. Mais tout est par rapport aux classes, donc c'est pas possible. Il y a encore des élèves qui attendent leur inscription en 5e. Et on peut pas les prendre parce qu'il y a déjà 31 élèves par classe. Donc on a une liste d'attente de 5 élèves déjà. Donc nous, on veut 3 classes de 5e. 3 x 22, 3 x 21, mais peu importe. Mais on veut 3 classes. Pour une meilleure condition de travail pour les élèves. Il faut qu'on ait une troisième classe de 5e. C'est vraiment pas normal que les effectifs soient aussi importants dans ces deux classes. Nous, on demande l'ouverture d'une troisième, cinquième, d'autant plus, comme l'a dit M. Quérault, nous avons 5 élèves qui sont en attente d'une affectation au collège à Bouillante en cinquième, en classe de cinquième. On parle de réussite scolaire, mais là, on met nos enfants en échec, en fait. Puisque là, le fait qu'ils soient aussi nombreux, on a des profils différents dans ces classes-là. Donc, les enfants ne seront pas à l'aise pour pouvoir travailler correctement, même les professeurs. Je vous invite à une réunion vers en fin de matinée avec nos représentants du rectorat et on verra qu'est-ce que ça donne. Mais on verra. Mais si on n'obtient rien, on sera obligé de continuer notre mouvement. Parce qu'on veut une troisième classe de cinquième. C'est la seule solution qui peut débloquer, la seule réponse qui peut débloquer la situation. Un reportage signé Nicolas Hatchi. Et hormis les couacs, la rentrée s'est relativement bien passée pour les tout-petits. Olivier Félix était à leur sortie de classe pour recueillir leurs premières impressions. Le reportage. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? On a commencé à travailler, on a fait des multiplications, des mathématiques sur des feuilles. On a appris une poésie, on a chanté, on a fait du calcul mental. Et à la fin, on a mis des pages de garde sur nos cahiers bleus et on les a coloriés. On a travaillé, on a fait des dessins. J'ai travaillé, j'ai joué. Tu t'es content de voir, de retrouver cette ambiance? Oui. Il avait les copines. Tu avais les copines? Et vous avez fait quoi avec les copines?
J'y jouais avec mes copains. Oui, j'étais très content. Après, on a allé à la récréation. Après, on a commencé à travailler sur ce qu'on a travaillé. Et après, c'était la cantine. Et avec la maîtresse, tu es contente de voir la maîtresse? Oui. Avec mes amis, on s'est retrouvés. On était très contents de se retrouver. Et on leur souhaite bien sûr une bonne année. Scolaire, évidemment. Et les professionnels de l'éducation affiliés à l'UNSA, eux, tenaient leur assemblée générale. Ces derniers se remettent à peine d'une année 2022 très difficile et alertent les services académiques sur les dysfonctionnements au sein de l'école. Et parmi les urgences figurent évidemment les manques d'effectifs, les violences scolaires et les agressions d'enseignants. Le reste en image. Nous, à l'UNSA Éducation, on est très contents qu'on revienne à la normale. Parce que c'est vrai qu'enseigner sans les élèves dans des conditions normales, c'était compliqué. L'année scolaire dernière a été très difficile pour les collègues. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont en dépression. Il y a beaucoup de collègues qui sont en congé de maladie. Il y a des collègues qui sont en burn-out. Et nous espérons que cette année se passe bien pour eux. Mais ça ne peut se passer bien que si l'administration, notamment l'administration rectorale, soit à l'écoute des collègues. Et l'un des gros problèmes que nous avons, c'est qu'on a l'impression que quand les collègues se retrouvent face à des problèmes, eh bien, on les laisse se débrouiller. Nous notons depuis la sortie d'école et la rentrée une démobilisation du personnel administratif du rectorat et de l'académie en général. Parce que plus les choses vont, nous avons l'impression que nous ne sommes pas pris en compte et il y a un climat délétère au niveau de l'administration rectorale. Nous sommes en tant qu'assistants de service social, là, un petit peu pour aider ces familles et combler ces inégalités. Et c'est aussi ce que nous demande le ministère, mais avec peu de moyens. Il y a des établissements scolaires qui peinent à avoir suffisamment d'argent pour aider les enfants en difficulté, notamment des établissements qui se trouvent en réseau d'éducation prioritaire. Et ça, ce n'est pas normal. De notre côté, les collègues aussi nous ont précisé que le problème de la violence scolaire avec un certain nombre d'enseignants qui sont agressés de façon, je dirais, pratiquement quotidienne. Nous avons le sommet de l'iceberg, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire à Saint-François, à Pointe-Noire, à Mornalo, à Petit-Bourg. Mais c'est tous les jours qu'il y a un certain nombre de cas qui ne remontent pas, mais que nous sommes alertés et nous disons qu'il faut aussi qu'on trouve un certain nombre de solutions, de dialogues, pour que la violence n'envahisse pas l'école. Comment se fait-il que il y a dans un certain nombre de disciplines, il y a des postes en Guadeloupe, on a des jeunes collègues, mes jeunes collègues qui, de façon mariés, qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants, qui passent les concours et qui, contre leur vœu, se retrouvent à Créteil ou à Versailles avec toutes les difficultés que cela entraîne, notamment financières, notamment le déchirement familial qui se fait, et alors que dans le même temps, eh bien, on se retrouve dans la panade au niveau de la Guadeloupe et il n'y a pas d'enseignants à mettre, je dirais, devant les élèves. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous, à l'UNSA Éducation, on fait tout ce qui est en notre possible pour à la fois alerter les services académiques, mais aussi les services nationaux, l'administration nationale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère aussi des Outre-mer, pour qu'on puisse se retrouver dans une situation bien meilleure, parce que notre but, c'est d'améliorer la situation de l'école et de faire progresser le plus possible les élèves qui nous sont confiés. On parle politique et de la convention du parti Guadeloupe Uni Social et Solidaire. L'occasion pour les membres de définir les objectifs et ambitions de cette formation politique. Le reportage. C'était très important puisque j'ai eu l'occasion de dire que nous sommes à la croisée des chemins et on sent qu'il y a une volonté de reprendre le dialogue, aussi bien de par la déclaration de Fort-de-France, mais aussi au niveau du gouvernement, de la République. Donc il est très important qu'au niveau du parti, que nous puissions créer ce mouvement du débat, qu'on puisse en discuter avec bien sûr des experts, avec bien sûr le monde économique et le monde social, parce qu'il faut que nous puissions mettre en place une véritable stratégie, une stratégie territoriale, que nous faisons connaître notre vision et pour que tout cela soit au profit d'un nouveau modèle de développement, parce que le statu quo aujourd'hui, on se rend compte, ne peut plus perdurer et ne permet pas des politiques publiques suffisamment efficaces. Il faut être concret et pragmatique aujourd'hui.
La population a besoin d'améliorer son bien-être. Elle a besoin que les politiques publiques où les responsabilités ont été confiées à des élus locaux ou à l'État soient correctement remplies. La Guadeloupe, malheureusement, comme cela touche d'autres départements, connaît une situation de précarité qui est préoccupante. Et c'est l'un des cœurs de métier de la collectivité départementale à laquelle j'appartiens. Donc nous mettons tout en œuvre pour pouvoir travailler, pour apporter des solutions, puisque nos concitoyens sont en souffrance. Donc il faut pouvoir apporter des réponses concrètes avec d'autres partenaires également, bien évidemment, tels que le conseil régional, les organismes institutionnels, les associations qui œuvrent au quotidien aux côtés des plus démunis d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un top départ de tout un ensemble de conférences, débats, de formations, de séminaires que nous allons faire, de manière à ce que chacun puisse pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Qu'il sache, lorsqu'on parle d'évolution, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de compétences, quelles sont les compétences de l'État, quelles sont les compétences qui pourraient être transférées ou pas, mais qu'il sache aussi comment ça se passe dans d'autres collectivités. Mais en tout cas, que nous puissions décider en toute connaissance de cause. Que trop souvent, les décisions ont été prises sous la base de la peur ou encore du manque d'informations. Et en ce sens, c'est notre rôle, c'est mon rôle en tant que chef de parti, de faire connaître, de faire passer le message, d'expliquer à la population, en plus avec des universitaires qui sont tout à fait neutres sur un plan politique, mais que chacun puisse avoir sa propre idée et être dans cette démarche d'adhésion, être dans cette démarche de développement. Puisqu'aujourd'hui, je le dis, je l'ai souvent répété, il faut une véritable stratégie territoriale pour que nous ayons un nouveau modèle, un modèle développement. Il ne s'agit pas d'évolution institutionnelle pour évolution institutionnelle. Il faut que tout cela soit un instrument et au service de politiques publiques beaucoup plus efficaces, qui réussissent. Tous les premiers samedis du mois, l'Union pour le développement cannier et agricole de Guadeloupe, l'UDECAG, organise son marché créole. Malgré le mauvais temps du week-end, les artisans ont répondu présents et proposé leur production, le reportage. Nous sommes au marché de l'UDECAG, au Lamantin, à Caillou. Et ce marché-là, en fait, organisé par la CNBT et l'UDECAG, permet de mettre en avant les plantes de chez nous, les produits locaux, cultivés sainement. Et donc voilà, nous, on participe avec plaisir à cette manifestation. Je trouve que c'est une très, très bonne chose de valoriser les plantes à l'état brut, mais aussi transformées ou encore les plants. Donc on peut y retrouver dans ce type de rencontre, notamment aujourd'hui, des plantes sous plein de formes. Et ça, je trouve que c'est super, quoi, parce que ça fait, bien sûr, évoluer l'utilisation et la rendre aussi plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas se contenter d'avoir ou qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas avoir juste des plantes sous le balcon. Ici, il y a des plantes séchées, il y a des tisanes, il y a des sirops, il y a des huiles et j'en passe. Donc, c'est une superbe initiative qui permet de rassembler des gens avec plusieurs points de vue, quoi. Ce type de marché, en fait, c'est l'occasion de rencontrer la population et c'est l'occasion pour que la population rencontre les vrais producteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des commerçants qui sont là, ce sont des gens qui produisent, qui connaissent les produits et qui peuvent leur donner des conseils pour non seulement utiliser, mais aussi perpétuer ces produits-là dans leur jardin. Donc c'est important pour nous de participer à ce type de manifestation. Je suis très étonnée de voir la large population qui se sont déplacées, très nombreux ce matin. Alors la tranche d'âge, je dirais, ça va de 25 à passer 77 ans et je trouve ça super. Les gens sont curieux. Les gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissaient qui étaient là. Et les gens sont vraiment au fait. Et je pense que même maintenant, c'est un acte militant. C'est à nous aimer et ou pas aimer. Et alors, nous aimer, c'est ça qu'à côté. Moi, je trouve ça sympa. Alors, les visiteurs, ils sont très emballés. Ils sont très contents de voir des jeunes qui s'intéressent à cette question-là. Mais ils sont intéressés parce que ce sont des plantes qu'ils voient à côté de chez eux. Ils ne s'attendaient pas à voir ton vertu. Je pense qu'en effet, qu'il devrait avoir une constance, même trimestrielle, afin de permettre aux gens déjà d'avoir de nouvelles plantes, le temps que ça puisse pousser, mais aussi d'avoir une routine et pour que les gens sachent, on peut avoir à tel ou tel moment tel feuillage. On peut aussi trouver les feuillages ici, parce que j'en ai moi-même ramené pour rester dans la transition de tisaneur, de marchand de feuillage, qui était mon arrière-grand-mère. Et je pense qu'il faut mettre une constance et développer, parce qu'on a quand même 350 plantes par kilomètre carré. Et c'est un patrimoine qui est vraiment, vraiment en plein essor et qu'il faut exploiter. Un reportage signé Vianney Valverde. Et le 8 octobre prochain se tiendra l'élection de la reine de beauté noire. 15 femmes sont en cours de sélection pour le jour J. On a participé à un des castings. Regardez.
J'ai décidé donc avec Mel Event qui m'a proposé un projet en fait de faire le concours de Reine Beauté Noire. Donc je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, aujourd'hui on est là, on a déjà sélectionné une partie des filles samedi dernier. C'est une élection qui aura lieu donc le 8 octobre. Donc voilà, et aujourd'hui on est là pour un deuxième casting pour sélectionner encore d'autres filles. J'étais modèle et j'ai toujours voulu participer à ce genre d'événement. Mais pour l'idée que ça représente, c'était un petit peu le plus. Donc en gros, on promouvoit la Guadeloupe, on promouvoit la femme noire, on promouvoit un petit peu tout son ensemble. Et pour moi, c'était un peu plus intéressant de voir ça ainsi et d'y participer. Avant tout, parce que j'adore les élections. C'est quelque chose que j'aime vivre dans les bons et les mauvais côtés. C'est une belle expérience pour moi. Et aussi parce que j'ai l'ambition de représenter la femme noire. Et au-delà de ça, montrer que les Miss ont des choses à dire, peuvent porter des projets, et ne sont pas juste belles et s'assoient dans des belles robes, à des événements. Montrer qu'on a de l'intelligence, on n'est pas seulement jolie avec de beaux attributs, on en a dans la tête. On veut promouvoir la Guadeloupe, on veut promouvoir toutes les activités, promouvoir l'encens, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas promouvoir. Là, j'essaie de juger déjà la prestance, l'apparence physique aussi, ça compte, mais aussi l'assurance qu'elles vont avoir. Donc là, j'ai vu qu'elles essaient de se démarquer, de montrer qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, ça compte. Ça fait partie des critères que je vais regarder, voilà. On voudrait que 15 personnes soient retenues, et les 15, forcément, 3 d'entre elles seront élues, quoi, en fait. La reine, sa première dauphine et la deuxième dauphine. Et avant de se quitter, retour sur le show live Renaissance Kama au Zion Park au Gosier. Un hommage pur et dur à l'Afrique qui mélange des rythmes contemporains et des percussions. Regardez. Le concert, le show live Renaissance Kama, c'est un projet qu'on a initié à partir d'un projet musical qui était de revaloriser la musique africaine avec les percussions, des sonorités qui viennent de chez nous. On va dire de chez nous parce que c'est ça le message aussi, c'est de reprendre ce qui nous appartient. Donc Kama, c'est le nom, c'est le vrai nom de l'Afrique. L'Afrique, on lui a donné ce nom-là après. Et donc, tous les instruments, on a essayé de mélanger le contemporain et les percussions comme la kora, le ka. On a créé des instrus avec des ingénieurs qui sont très généreux, qui nous ont fait don de plusieurs instrus. Et à partir de là, on a développé, en fait, on a écrit, on a été inspiré par le thème, on a écrit des chansons. Et donc, c'est ça qu'on vient présenter aujourd'hui. Ce soir, il va y avoir, pour certains artistes, des morceaux inédits. Pourquoi? Parce que le Renaissance Kama, ça va être un projet compile qui va sortir par single plus tard, enfin un peu après. Bon, ça se précise, les sons partent en mix, etc. Et donc en fait, c'est pour ça que ce soir, il va y avoir des inédits parce qu'il y a des sons qui sont pour ce projet, qui sont pas encore sortis, dont le premier morceau que je vais ouvrir là justement tout à l'heure avec Elo et un autre morceau que je vais faire dans mon set. Donc c'est pour un projet spécial et donc c'est pour ça qu'on a décidé de... avec le collectif Fouma, de réunir au moins les frères qui étaient sur la Guadeloupe, qui sont sur ce projet-là ou qui vont bientôt poser sur ce projet-là, tu vois ce que je veux dire, pour faire une scène en fait. Nous, ce qu'on veut faire ce soir, c'est une parole féconde. Donc du coup, le collectif Fouma, le concept global, c'est vraiment de propager la parole, de propager les connaissances. Parce qu'on ne nous le dit pas assez, mais toutes les connaissances qu'on a, toutes les sciences qu'on a, viennent de l'Afrique, on va dire l'Afrique, on va dire le nom, mais Kama veut propager ça pour qu'on soit conscient de ce qu'on est, de ce qu'on a, et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui pour revenir à nous-mêmes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez que la préfecture vient de relever le niveau de vigilance. Nous sommes donc au niveau orange pour forte pluie
et orages. Un très gros épisode pluvieux qui est en cours, notamment dans le nord Basse-Terre et dans le sud-ouest de la Grande Terre. Il y a certaines communes qui ne sont pas du tout impactées, mais vous le savez, bon, la fosse de l'agglomération pointoise se remplit d'eau assez rapidement, donc on a de grosses inondations en cours aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Jarry aussi notamment. Je crois que même sur Fonsarail, c'est pas je crois, sur Fonsarail aussi, c'était pas mal inondé déjà il y a une trentaine de minutes. Donc la prudence est de mise ce soir et soyez patients puisqu'effectivement, bon, le trafic routier forcément est très perturbé. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus en débrief sur l'actualité. Et nous ferons un point avec les enfants de Claude Jean-Pierre, à savoir Fatial Kabelar et Christophe Sinan, qui nous parleront des avancées éventuelles dans cette enquête. Il faut quand même rappeler que Claude Jean-Pierre est décédé au CHU de Pointe-à-Pitre le 3 décembre 2020. Ça fait donc pratiquement 2 ans que cette affaire traîne en longueur. Donc on va prendre des nouvelles, ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à la team Info Canal 10, bonsoir à Moïse Caramel, à Teddy Bamberg, à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Ampassav Mako, bonsoir à Wilma Blondeau, bonsoir à Patricia de Normandie, à Kitoun Cyprien, à Johanna Bon, bonsoir également à Grande Gueule Gueule, bonsoir à Jocelyne Tessonneau, bonsoir à Fabienne Mégard, également à qui, au général Franck Abar, je l'ai vu. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, qui nous dit qu'il est un petit peu triste ce soir. Il faudra nous expliquer ça. Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? Bonsoir, bonsoir à Patricia Jacquet Crétide. Bonsoir à Mouton Lucide, à Yvonne Dacour, à Giovanna Yoli. Bonsoir, bonsoir à Joël Bazit. Bonsoir à qui d'autre, à qui d'autre, à qui d'autre, à qui d'autre. Ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. J'ai du mal à vous suivre. Désolé. En tout cas, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook et à vous qui nous suivez sur l'antenne de Canal 10. Je fais un gros bisou bisou à ma chouchou Véronique. On se retrouve après la pub.